Yep les gens, c'est Verxius, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle astuce Kama. Donc j'espère franchement que cette petite astuce, même cette énorme astuce va vous plaire. Donc j'espère vraiment pour tous ceux qui verront cette vidéo qu'ils la verront très tôt pendant que je la sors. Puisque tout simplement cette astuce va consister sur les idoles, donc la mage qui n'est pas encore sortie, qui est pour l'instant sur la bêta. Mais j'aimerais pas commencer de suite par ça, donc déjà j'aimerais commencer par une petite dédicace à ma guild Div Paradise, donc sur le serveur Curry de l'Alliance Kino, donc l'alliance menant du serveur. Donc déjà hier, après 9 jours d'absence de vidéo, que j'ai voulu m'excuser, je vous ai fait un live de une demi-heure, pardon, d'offre en or. On est parti de 8M7, on est descendu jusqu'à 1M en une demi-heure. Il y aura un bénéf d'environ 7M5, donc aujourd'hui, on a déjà bénéf 2M4 en quelques heures. Donc j'ai fait la vidéo hier vers minuit 23h, et en 20h, on s'est fait déjà 2M5, donc ça va, on va vite rembourser les kamas. Et je vais vite vous sortir d'autres opus et tout. Donc si vous voulez quelques vidéos, dites-moi ce que vous voulez dans le la description, dans le commentaire. Donc merci, on va continuer la vidéo les gens. Et donc cette astuce, les idoles. Donc là, on est sur la bêta test de Dofus. Et vous voyez que les idoles... ça fait un bon petit prix, 1 million, mais si vous en faites en masse, ça peut revenir très très cher et vous faites une masse de kama. Donc la technique va consister, pour l'instant, là vous voyez ils sont 1 million mais on est sur, sur la bêta. Et sur la bêta c'est vraiment différent, il y a beaucoup plus de personnes, du coup les prix baissent beaucoup plus rapidement. Et les idoles coûtent pas cher, mais sur le serveur, une fois qu'ils seront sur le serveur officiel, ils coûteront dans les 2-3 MU, ce qui est pour moi vraiment énorme, je trouve. Quand vous en faites 10 d'affilée, franchement, ils vont se vendre très vite. Donc déjà, qu'est-ce que c'est les idoles? Alors les idoles, en fait, c'est des espèces de trophées qui va vous permettre... Donc vous voyez, dans les inventaires, au lieu de mettre des trophées, vous pourrez mettre des... Non, pardon, excusez-moi, ça sera pas là qu'ils se mettront, je crois. Ça sera ici les idoles. Vous les mettez là, dans les 6 cases. Vous avez maximum 6 cases. Et chaque idole que vous mettrez, plus il sera puissant. Donc vous voyez, par exemple, le gym, les monstres sont invulnérables tant qu'ils ne sont pas déplacés. Les dommages de poussée font leur font gagner 200% de dommages. Donc ça, ça durcit les combats. Ça les fait durer. Ça leur fait gagner des vies, de la vie aux monstres. Ça devient beaucoup plus dur. Et du coup. En récompense, si vous réussissez le combat avec des idoles, vous avez un bonus d'expérience et un total de butin augmenté. Donc je pense le bonus peut arriver jusqu'à 5% environ. Après ça dépend vraiment des trophées que vous mettez, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, donc la technique va consister, donc vous prenez, excusez-moi. Donc en passant, les boucliers sont passés ici, donc l'HDV des boubous a dû être tout simplement délète. Ou alors ils ont mis... Qu'est-ce qu'ils ont mis? Un HDV des façonneurs. Donc j'aimerais bien savoir ce que c'est. Donc j'irai voir après hors vidéo. Donc les idoles. Comme vous voyez, donc 400 000 les plus bas levels de level 13, 22, etc. Les moyens levels environ level 86, 90, etc. Et les plus hauts levels dans les levels 150, ça va jusqu'au level 170, 190. Donc vous voyez, 1 million de kamas ça coûte. À chaque début de tour, un ennemi, le personnage le plus proche de l'ennemi qui commence son tour subit 400% de dommages supplémentaires pendant un tour cumulable. Donc vous voyez, ça durcit vraiment les combats et la technique va faire. Il va vous suffire de faire recette associée. Et avec votre second compte, vous allez aller à l'HDV des ressources et acheter avant même que les idoles sortent, acheter les ressources. Donc vous voyez, donc là, sapeur, on va aller voir. Donc, cueil de sapeur, 6300 kama, donc c'est pas cher du tout. Donc, Yomi. Que Yomi. Ouais, donc je vais acheter avec vous. Donc, je connais vraiment pas les prix, hein, je vous le dis. J'espère là pas me faire entuber. Mais je pense pas me faire entuber, puisque dès que la mage va sortir, je vais full mettre. Donc, je vais full mettre les idoles. Donc, 10 000 kama déjà. Ça coûte vol manubrum de vol véro. Donc là, 17 000 kama. Maintenant, il faut aller acheter 15 tourmalines. Donc, si je crois. Oui, voilà, c'est pas ici, c'est bien ce que je pensais. HDV des mineurs. Donc franchement, hein, n'hésitez pas à mettre des commentaires et tout à la vidéo. Okay, pardon. Autre, si vous voulez d'autres vidéos, dites-moi vraiment. Ça me fait vraiment plaisir de vous faire des vidéos. Donc tourmaline. Donc là, il en faut 15. Donc on va en acheter... Donc ouais, on va en acheter 30 puisqu'on va en faire 2 finalement.
Donc là, on est à 900 000 kamas. Je vais aller racheter. Je vais aller. Ouais, non. Je vais acheter avec vous tout. Donc là, 3000, ça fait. Fois 100. Donc attendez, excusez-moi. Il faut en acheter 30 du coup. Ouais, 30, donc fois 10, 110 000. Donc ça fait 300 000 kamas. C'est chiant là, il y a des gens qui l'achètent. Donc voilà, attendez, j'achète en masse. Donc déjà 2003. Donc ça fait. Oh non, me pique pas. Mais non. On se fait de la concurrence. Vous voyez, ça part très vite puisque des gens sont en train de faire la technique. Attends. Ah putain. Ah putain. Mais laisse-moi l'acheter, oh. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Ah voilà, donc 3000. Donc là, ça rajoute 12 000 x 30. Ça fait 120 000. Donc 360 000 kama en plus. Maintenant, HDVD. Des mineurs, on y est, pardon. Donc là, on est environ à 1 million 2 pour un craft. Ah, j'ai pris le craft que d'une. Excusez-moi. Donc attendez, je vais finir le craft, je pense. Je vais acheter en 1. Donc attendez, 1 million 2. Là, ça va faire 80 000 kamas. J'en rachète encore. Bien sûr, j'ai plus de portée. Donc on se retrouve à toutes quand j'ai appris toutes les ressources. Allez, à toutes les gens. Donc en passant les gens, faites surtout attention à ne pas vous faire arnaquer quand vous irez acheter les essences. Donc par exemple là, les essences de Toxoad. Donc comme vous voyez à côté, beaucoup de choses sont en train de se vendre. Donc j'ai récupéré en même temps 800 000 kamas en banque parce que j'ai encore vendu une offre en or, donc c'est pas mal. Donc vous faites pas arnaquer, regardez le craft. Donc essence de Toxoliath, 10 100 du Toxoliath, sachant qu'en HDV, les essences valaient 1,5 million l'essence, alors que là, on peut la craft pour 180 000 kamas. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc je vais finir de prendre le craft et on se retrouve à toutes les gens. Donc voilà tout le monde, pardon. Donc merci à Chance Next qui m'a. Une petite dédicace à lui qui m'a craft mes essences de Toxoliath. Donc c'est bon, j'ai les 4. Donc là j'ai le craft pour deux idoles. Donc attendez, on va. Ah oui non, je ne peux pas puisque la mage n'est pas encore sortie, c'est vrai. Donc le craft, donc j'ai pris les 6 galets brasillants, les 8 perrutes, les 4 essences, les 6000 pépites, les 30 tourmalines, les 20 sapeurs, les 2 queues de Yumi et là et les 2 manubrums de Volvero. Donc franchement vu le prix de l'essence, je pense que l'idole même vaudra. Et en plus, vu ce qu'il rapporte, puisqu'il rapporte beaucoup de pourcentage, puisque c'est le. Ah, excusez-moi, je bug, franchement. C'est l'idole le plus HL de. Excusez-moi, je retrouve plus mes mots. Il faut que j'essaie de me concentrer. C'est l'idole le plus HL de sa catégorie. Et franchement, il va se revendre très cher, puisque c'est celui qui rapporte le plus de pourcentage. Et. Je pense sur le serveur officiel, il se vendra 3-4 millions U. Donc moi, j'en ai craft 2. Je vais m'amuser à craft d'autres trophes. Donc vous voyez, ça m'a coûté seulement 3M, puisque j'ai récupéré 800 000 kamas. Donc on était à 4M1, même 4M2. Donc ça m'a coûté 3M1 à craft 2 à ces deux idoles, soit environ 1M5. Donc ça va, c'est vraiment pas mal. Le prix n'est pas énorme. Et ça va vraiment se revendre très cher puisque les prix vont immédiatement augmenter dès que la mage va passer puisque tout le monde va essayer d'en craft. Donc franchement, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc s'il vous plaît les gens, n'hésitez vraiment pas à mettre des likes, à vous abonner. Ça vous prend vraiment 2 secondes et ça fait vraiment toujours plaisir. Donc allez, ciao ciao et merci d'avoir regardé cette vidéo.